gentlemen, this is your captain speaking. Aujourd'hui, j'avoue, je me fais un petit plaisir, j'espère que ça va être communicatif. Je vais aux courses. Je suis sur l'hippodrome d'Eshin à côté d'Osaka. Et les courses ont toujours été ma plus grande passion, ma première et pas mon unique, mais enfin avant les femmes en tout cas, les courses. C'est un endroit que j'aimerais bien vous faire découvrir plus souvent parce que ça vaut le coup. Et surtout ici au Japon, c'est un peu un rêve de gosse de venir ici. Il va y avoir 100 000 spectateurs pour assister à cette réunion. Il est 10h30 ce matin, ça commence très tôt les courses ici. Et c'est un peu, on va dire au niveau ferveur populaire, difficile de trouver mieux que ce sport au Japon. En tout cas, c'est déjà grandiose pour commencer. C'est immense. C'est certainement le plus grand hippodrome que j'ai fait tout au long de ma vie. Et pourtant, j'ai pas mal bourlingué sur les hippodromes du monde entier. Et il est vraiment très, très impressionnant. Et on sent vraiment que le public est un public, peut-être pas spécialement de vrais connaisseurs, mais en tout cas de grands passionnés. Il y en a partout. Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes. Moi, je suis très impressionné. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Par rapport à la France, ça fait un choc parce que chez nous, c'est un truc de has-been intégral avec plutôt des personnes du troisième âge qui sont sur les hippodromes. Là, ici, c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Ça me plaît. Hein. Là, les premières impressions sont vraiment excellentes. On va voir ce que ça va donner dans quelques instants. Puis on va essayer de gagner de l'argent, évidemment. Ici, il vaut mieux réserver sa place, sinon vous voyez pas la course assis dans de bonnes conditions. Vous voyez, tous ceux qui sont arrivés avant, ils ont posé leur journal, leur petit coussin, et il n'y a surtout pas intérêt à s'asseoir à leur place, parce que là, sinon, c'est drame national. C'est blindé. Quel bain de foule je prends. Si vous ne croyez pas quand je vous dis que les courses font le plein, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? C'est quoi l'arrivée? C'est quoi l'arrivée, les enfants? 13, 5 et 4. Et qu'est-ce qu'il a joué, papa? Et 5, je touche le jumelé et avec des belles cotes. Vous allez voir ça tout à l'heure là quand on va aller récupérer la monnaie. Mais si ça se passe bien, ça va être une excellente journée qui nous attend. Ah, il est magnifique ce jumelé. Il y a une ambiance de fou, ça hurle dans la ligne droite, c'est tout ce que j'aime. C'est une fête populaire. C'est l'âme des courses que je retrouve aujourd'hui et qui est complètement perdue en France. Tout le monde est à fond dans le truc, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde crie, c'est exceptionnel. Voilà, c'est exactement ce pourquoi j'adore les courses, un peu comme ceux qui sont amoureux du foot pourraient aimer aller à Barcelone ou au Real ou quelque chose comme ça. Et ben voilà, moi ce que j'aime c'est aller sur un champ de course, un grand champ de course où il y a une ambiance de folie et aujourd'hui c'est le cas. C'est le moment du tant attendu du paiement, on va voir combien on a gagné. $248 000, ça fait l'équivalent de 300 euros. Quel monde, quelle folie, quelle chaleur, c'est incroyable. Et plus le temps passe, et plus l'hippodrome se remplit, évidemment, ça n'arrête pas d'arriver. Là, je me balade dans la ligne droite, enfin dans la tribune devant la ligne droite. Et comme vous pouvez le voir, il y en a partout, assis, debout, dans les étages, dehors. On mange pour 2 francs 6 sous, et on mange bien. Ça réconcilierait n'importe quel amoureux des courses de venir ici. Et surtout, ça peut créer des vocations parce que vraiment,
vous êtes plongé dans une atmosphère de folie pure et douce. Et moi, ce qui me choque, je le dis, je le redis, c'est le nombre de jeunes, le nombre de femmes qu'il peut y avoir ici. C'en est tellement choquant que j'en parle. On est à 3 minutes du départ du Grand Prix et j'ai qu'un mot qui me vient à l'esprit, enfin plutôt une chanson, c'est qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Des véritables sardines. Il y a une tension dans les tribunes, il n'y a plus un bruit. Et il n'y a plus une place non plus. Bon, c'est déjà la dernière course ici, il y a une ambiance qui est retombée un petit peu, le Grand Prix n'a pas été remporté par le Français. Juste derrière moi, eh ben, c'est les concurrents qui sont prêts pour la dernière. Et comme vous le voyez, tout autour de moi, donc là, les tribunes qui commencent à se vider, et là juste derrière, que des gens à la cool, ils ont passé un bon dimanche, comme s'ils avaient fait un petit pique-nique. Bon enfant, bonne ambiance. Ça coûte pas cher du tout de venir à l'hippodrome. Bref, c'est une journée complète pour tout le monde qui s'est bien passée. Voilà, nous on a gagné un petit peu d'argent en plus par la même occasion, donc c'est génial.